Ça a été un moment très fort et je dirais unanime dans tous les endroits de fraternisation. Ils se sont tous retrouvés sur une valeur, j'allais dire, c'est enterrer les morts. Ça, ils sont unanimes, ils connaissent les gens qui sont allongés par terre, qui pourrissent. Ils ne veulent plus les voir, ils veulent oublier ça, ils ne veulent pas laisser les cadavres sans sépulture. Donc on se met d'accord, on enterre ensemble, on fait les trous pour tout le monde. On met les corps là, dans les trous, on rebouche. Et puis, bien sûr qu'il y a des aumôniers ou des hommes de religion dans toutes ces armées-là. Et chacun de ces hommes va dire un mot pour tout le monde, en fait. Alors, soit il le dit en anglais, on le traduit en allemand, ou soit c'est dit en latin, ça dépend des endroits et, je dirais, de la culture des aumôniers, quoi. Mais oui, ça, c'est un moment très fort. Et que ce soit fait le jour de la nativité, le 25 décembre, ça n'avait pas échappé aux gens de l'époque. Ils voyaient là un symbole très fort. Ça s'est déroulé en 1916, donc pas du tout au moment des fraternisations, et dans le secteur de l'Est de la France, dans un secteur qui était calme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de conflit, entre guillemets, ils ne se tiraient pas dessus. Et un chat avait pris l'habitude d'aller à la tranchée allemande, à la tranchée française, en fonction du menu. C'est tout. Donc, et un jour, il revient côté français et il a au cou un collier, ce qu'il n'avait jamais eu jusqu'alors. Donc les Français examinent son collier et ils y découvrent un bout de papier. Alors il déplie le bout de papier et c'est écrit en mauvais français, parce que écrit par des Allemands, « De quel régiment êtes-vous ? » On donne le papier au lieutenant, qui donne à son capitaine, ça remonte jusque un général de division. Qui lit le papier et qui dit « Mais c'est de l'espionnage ! » Qui est le vecteur du papier ? Donc la question redescend, la réponse remonte, on lui dit « C'est un chat. » Il dit « Bon, on va appliquer le règlement. » Donc ils ont arrêté le chat, ils ont jugé le chat et ils ont fusillé le chat pour trahison, entente avec l'ennemi. Donc moi, je me dis, c'est énorme. J'aime cette idée du chat qui circule. Moi, j'imagine qu'ils n'ont pas donné le même prénom, il n'y a pas de raison, avant de se rencontrer. Et puis, dans le film, je l'ai mis aux arrêts. Je ne l'ai pas fusillé. Enfin, j'ai tourné la séquence où on le fusille, mais je n'ai pas gardé cette séquence, elle est dans les scènes coupées. Parce que là, je me suis dit, le public, même si je sais moi que c'est vrai, le public, lui, ne me croira jamais. Et je ne voulais pas perdre la crédibilité du public pour un chat qui meurt. Sur la réaction des états-majors, il y avait une valeur commune, c'est pas possible. Ça, ils étaient d'accord tous les trois en disant on ne peut pas laisser les gens fraterniser. C'est pire qu'une mutinerie. Une mutinerie, c'est des gens qui râlent sur les conditions de travail, mais qui sont dans l'esprit de la guerre quand même. Simplement, ils disent, on ne peut pas partir n'importe comment au front, etc., etc. Là, c'est la catastrophe. Certains ont cru que c'était l'international des tranchées. Hein. Donc, l'horreur. Mais, alors, après les réactions, moi, je ne suis pas tombé sur des informations qui indiquaient que des hommes avaient été fusillés à cause des fraternisations. Et je crois que la raison est toute simple, c'est que fusiller, ça veut dire d'abord et avant tout quand même juger. Et faire un jugement, c'est faire quelque part publicité des fraternisations. Or, l'idée, c'était, il ne faut pas que ça se sache. Donc, on va mettre tout ça dans un gros coffre, on va fermer à clé et personne ne le saura. Donc, pour que ça ne sache pas, on va retirer les hommes, les régiments qu'ils appelaient contaminés hein, par l'idée de fraternisation. Ils les ont soit mis dans des secteurs qui tapaient très dur, donc ils n'ont pas le temps de raconter leurs histoires, ils sont laminés par la violence du secteur. Ou soit on disloque le régiment et on met des hommes dans plusieurs régiments. Donc il y a eu plusieurs attitudes là-dessus. Mais l'idée c'est... non, il n'y a pas eu de fusillade. Enfin de jugement et d'hommes fusillés pour ça. Il a été prononcé en 1915 par un évêque à l'abbaye de Westminster à Londres. J'ai eu une vive discussion avec une journaliste du Figaro là-dessus, parce qu'elle me reprochait d'avoir repris ce discours, mais de ne pas expliquer qu'il était en 1915, c'est-à-dire au moment où on a su qu'il y avait un génocide en Arménie. Et moi, je dis la chose suivante, il n'y a aucun contexte de génocide, de tout ce que vous voudrez, qui justifie l'utilisation d'un tel vocabulaire de la part d'un homme de Dieu.
Ce que dit cet évêque, je ne l'ai pas écrit, il a été réellement prononcé. J'ai même censuré une phrase que je trouvais excessive aujourd'hui, où il disait « Pensez-vous que ceux qui crucifient des bébés le jour de Noël soient des enfants de Dieu ?» En 1914-15, ça, je pense qu'effectivement, ça peut passer malheureusement. Aujourd'hui, non. Personne ne va croire que les Allemands s'amusent à crucifier des bébés. Mais ça vous donne une idée de la violence. C'est un texte d'une violence inouïe. S'il est prononcé par un général ou un homme, un militaire, bon, bah, je dirais, je suis pas plus surpris que ça. C'est moi, ce qui me choquait, c'était qu'il était prononcé par un évêque, un homme de Dieu. Ça veut dire que là, on avait instrumentalisé la foi dans l'esprit de propagande. Ça, je trouve ça inadmissible, insupportable. Je voulais le dire, ça a choqué. Hein. Des gens m'ont dit, c'est pas possible. Si, ça a été dit. Ça a été dit en 1914-1915, c'est-à-dire hier. Donc ça peut encore être dit aujourd'hui. Les destins sont très très divers, beaucoup sont morts. Certains ont survécu, ont écrit ça dans leur mémoire, ont raconté leur fraternisation. Moi j'ai eu une histoire que j'ai trouvée très jolie. J'étais sur RMC Info et un matin, les auditeurs appellent hein, au moment de la sortie de Joyeux Noël. Et une femme m'a appelé, elle m'a dit « Voilà, je vous appelle de Savoie et je suis allemande. Et je voulais vous dire que moi, mon grand-père, soldat allemand, a fraternisé le soir de Noël de 1914 avec des Français. Et il avait pris notamment l'adresse d'un Français avec qui il s'entendait bien pendant 2-3 jours. Après la guerre, il avait survécu à la guerre en 18, il est revenu. Cet homme habitait en Savoie, dans un village. Il est venu le voir. Et dans ce village, il y avait aussi une très très jolie femme. Et mon grand-père, il n'est pas rentré. Il a épousé cette femme et je suis la petite fille de ce mariage. Donc je suis la petite fille des fraternisations. Ça, j'ai aimé, évidemment. Je veux dire par là, oui, alors ça m'a dit quoi? Ça m'a dit, ben des hommes, après les 4 années d'horreur, ont quand même voulu se revoir. XIV-XVIII, c'est vraiment la guerre, la première guerre moderne, celle qui, quelque part, va formater toutes celles qui vont arriver ensuite. Les soldats qui partent au front, certains ont des petits appareils photo Kodak. On n'est plus du tout à l'époque hein, de l'appareil photo sur trépied avec le magnésium. Non, ça a évolué quand même. Et il y a cet appareil photo qui fait que des photos, évidemment, de jour, qui ne sont pas très lumineuses, mais quand même. Et ils ont ces appareils-là. Et certains donc, font des photos des fraternisations. Aujourd'hui, il reste côté britannique 5 à 6, je crois, photos de fraternisation. Côté français, le général Mangin avait demandé à ce que tous les clichés soient réquisitionnés et détruits. Or, en travaillant là sur un documentaire qu'on fait autour de Joyeux Noël, on a été amené à retrouver des clichés qui n'ont pas été détruits. Des fraternisations de 1916. Ce que j'ignorais. Moi, je pensais qu'après 1914, peut-être un peu en 1915, c'est fini, quoi. Non, début 1916, 3 janvier, des photos entre soldats français et soldats allemands. Donc, ce que j'aime aussi, c'est que, avec le film, on a peut-être ouvert d'autres tiroirs, etc. Et il y a des choses comme ça qui sont remises en ébullition, en mouvement. Et on a découvert des choses qu'on croyait disparues. Donc, il y a eu quelques photos quand même de ça. Mais les témoignages principaux sont des témoignages écrits, de lettres et de rapports.